divergence fondamentale quand on nous parle des investissements pour l'alimentation qui vont donner la terre aux privés et aux riches au détriment des populations. Mais si seulement je n'ai pas de champ, vous aurez à croire que moi je vais avoir la capacité d'acheter un sac de riz chaque mois pour nourrir mes enfants. Quand il y a eu toute la contrée où on exploite le pétrole, bon, le manioc était devenu rare. Les villages qui sont proches des villages sont pollués. Il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver à peu près les bonnes rivières. Déjà, il y a une grande majorité qui commence à quitter le village. Et nous perdons les producteurs au plus que nous importons. Et plus, la vie devient plus chère. On est obligé d'accepter ça comme ça. Souvent, ce sont des communautés millénaires qui sont là depuis plusieurs générations, qui sont mises dehors et leurs terres récupérées et données à des investisseurs nationaux ou étrangers.